Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Vous avez lu le titre « Pourquoi est-ce que nous devons tous nous mobiliser derrière le FARDC et pourquoi les jeunes se mobilisent pour rejoindre le FARDC ?» Nous ne sommes pas contre. Toza contreté na makambu oyo, baza ko benga ba jeunes, baza ko benga ba tuba kota na FARDC pour que to bengana munguna finalement na mboka na biso ou bien to gagner guerre oyo eza ko koleka na mboka na biso. Donc c'est vraiment nécessaire. Est-ce que nous ne sommes pas mobilisés? Est-ce que le Congolais n'est-il pas conscient qu'il faut défendre son pays? Non, tous est mobilisé biso nyoso toza contre likambwana keno batu msusu baya ko domine mboka na biso. Alors, réaction na nga ezali botala makamu ndenge za koleka na ndenge ya gouvernement na biso, ce qui nous dirige. Tokoki okende kuna na désordre te bandeko. Moi je crois que c'est une décision irréfléchie ya ko benga batu ba s'enroler massivement na kati ya force armée congolaise ou bien na ba FARDC na biso po to benga na munguna. Eza likambo ya kokamwa, eza ko monisa keno likambo oyo ezali machination ya biso moko ba peuple congolais. Nous voulons envoyer les enfants dans le FARDC qui n'est même pas organisé, que nous-mêmes nous savons que FARDC wana ezali pratiquement infiltré, pratiquement dirigé même par une main noire oyo eza ko kotisa biso na milinga milinga. Ces jeunes gens là qui vont s'enrôler, tokolati sa bango nengeni, toza na mbongo te. D'abord, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. Mbongo eza komona na te o eza kotiama pona po koorganiser. Batu nini yango ba koorganiser FARDC na biso, soki eza biso moko te. C'est nous-mêmes d'abord qui doit nous organiser pour que to kotisa batu na ndenge ya lolenge ya bien pour que to gagne nani wana. Mais soki toke kuna na désordre, désordre wana ko continuer kaka. Imagine-toi que même les formateurs qui sont là, ce ne sont même pas des Congolais. On ne sait même pas que bango baza ko encadrer batu wana ndenge nini. Vous allez voir, et je vous promets cette histoire là, vous allez voir que batu oyo bakozala intégré même na kati ya FARDC wana, ezali susupe ba Congolais te, parce que la plupart, on va sélectionner, on bateau ba kokende kote. Beaucoup de gens vont être découragés déjà dès le commencement, parce que organisation ezali te. Ordre eza na kati ya FARDC te, chaîne à commandement to yebite na aza ko commander ango, tout ça. Et puis je vais revenir à une chose. Pourquoi est-ce que biso tozo banga? Faute nyonso eza nini? Eza diversion o eza na kati ya ba dirijan na biso. Ils ne veulent pas commencer par le commencement. Bandeko, nazako ye bisabino, tokende to s'enrôler, oui, mais sachez bien que toko perdre ango. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas organisés. Ordre za na kati kuna te. FARDC ezali eloko moko kaka boye, tozo kende kaka ngulu ngulu oboya kaka boye tout ça. Entre temps, les dirigeants eux-mêmes ne savent pas s'il faut aller en guerre ou il faut to kende na ndenge ya diplomatie. Biso tolobela kibino awa ke bitumba oyo ekosila kana mandoki te, bitumba oyo ekosila kata toza 100,000 te na kati ya FARDC wana désorganisé comme ça. Finalement, batu bako kende ndenge nini? Faut yeza ya nani, faut yeza ya bakonzi na biso oyo baza kolinga te koyeb kolakisa biso clairement position na biso ezali wapi. Regardez ce qui se passe na Luanda. Regardez ba conversation nyoso oyo maléfique eza kosalema na Kampala na Nairobi. On nous oblige encore une fois de revenir sur notre décision. Et puis bomona kibino moko mokonzi ye moko aza ko hésiter azoloba ke no diplomatie silite et simbite, mais tokene na côté armé ye moko ayebika ke même ata toke na ndenge ya armement ye moko aza ko banga. Parce que aza sûreté que toko longa bitumba wana. Eloko o nga naza koyebisa bino, toko kipe ko banga te. Si vraiment le président de la République voulait à ce que nous puissions aller d'une façon, marteler d'une façon à force, ba avion wana ndenge ke sirvola ki, ça serait une intimidation. Il faut peut-être intimider Rwanda. So ki to intimider Rwanda te, Rwanda aza kaka au-dessus de nous. Et là, comment kaka Rwanda lobi kaka boye biso pe to bangi to lobi oh non boye oh non ezala ki ba survolo. Nous devons vraiment tout ça là peur na kati ya Rwanda. Il faut que la peur change de camp.
père est changé du camp, il faut tout changer père wana to banga lisusu te to signer pe kaka yo mambala moko que non so ki pe communauté internationale wana ko panza biso. Je vous dis, si vous intimidez tout simplement le Rwanda, bilo konyo surtout est ko changer. So ki Rwanda ba komi déjà intimidé, ba komi déjà ko banga, ba avion eza ko survoler, déstabiliser Kigali. Je vous assure que cette guerre là ne prendra pas une semaine. Mais il faudrait que cette peur là vraiment s'installe na population, na peuple rwandais, ba lobate biso to lingi makambo na te. Kagame va changer la de position. Mais na ndenge o tozo kendele, ya ko mobiliser ba tout. Ba kende na FARDC za organiser te. En même temps biso moko tozo banga la est encore à nous, surtout dans nos dirigeants qui ne savent pas la ligne vraiment où il faut qu'on lande. Bah, éviter ceux qui battent dans la guerre, battent dans la diplomatie, on va nous imposer. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nos dirigeants ont peur. Le peuple congolais est debout, mais il faut l'organiser. Il faut tout qu'on ait une armée moko auto, et que non, armée auto organisée en gomalamu, armée auto occupée en gomalamu, armée auto banane en gomaza côté nabiso, et ça te que batumusu baza la kaba infiltré, tout de selena nou batouana ya mabe, au baza na kati armée nabiso, enfin de l'organiser. Toko koma wana nandenge nini? Comment est-ce que nous allons y arriver? C'est ça la question. Parce que ici à Contact Pro Life, tu réagis à kaka teke boibo, tu peux sakande ba solution. Moi, je crois qu'il n'est pas temps batouba se tromper, qu'aucun de s'enrôler massivement. Vous allez être déçus. Boko zala dessus. Boken de bounani, n'a pas flèche. Boken de bounani, n'a tenu, n'a bino kaka bo, mona naka, kaneti ba rebelle. L'armée n'est pas organisée. Regardez l'armée rwandaise. Elle est sûre d'elle-même. Elle n'a pas peur. Batouana bazo banga te parce que baebika ke ba congolais baza ko banga bango. Surtout les dirigeants congolais, ils savent que non bazo banga bazo lo bate bazo déclarer au Rwanda mutezo attaqué biso. Intimider les Rwanda. Bon intimider bango. Je crois que ba avion wana yaki soki eza ya solo to ya lokuta, ba avion wana ezo servir pour na ko intimider na dissuasion d'abord que non le Congo a pris l'engagement ya ko kende na guerre. Il faudrait que nous déclarons cette guerre ouvertement en se disant que non, tu as commis vraiment la guerre, organisons notre armée, sachant qui n'est pas envoyé au front, batouni nango batoza na bango sur que non bako kende kobunda. Mais si nous ne sommes pas sûrs, ceux qui t'ont commis kobanga, to kende Nairobi, to kende na Angola, to salaboe, to négocier, to kende na guerre, nous continuons à entretenir cette peur en nous. Yango na signification ya ba négociation aneza ko salema parce que on n'a pas une position fixe au tozo loba ke non. Biso tozo kende kobunda na ba Rwandais. Biso tozo kende kobunda na M23. Tozo kende tozo caresser bango. Et nous avons peur. C'est cette peur là qui fait à ce que ba dirigeant na biso bazako ko zwa décision mon côté. Alors ici à Contact Pro Live, nous proposons encore une fois de plus que il n'est pas temps. Bato bazako kende ko sarole na faire de ce oyo. Eza déjà perdant. Tozo sa la erreur. Batouana, je le conseille de revoir encore leur décision à Koloba. Non, toko rejoindre force FARDC. Organisons d'abord notre FARDC. Extirpons les brebis galets qui sont là-bas. Réorganisons notre armée. Et comprendre biso ta moulaïté. Il faut d'abord que nous intimidions les Rwandais que non, le Congo est en train de se relever et qu'il faut stopper cette histoire-là de guerre et tout ça. Toko kene nango ndengeni, toko kene nango na solution globale à la République démocratique du Congo. Et c'est là, eloko wana ndenga nazako prêcher depuis longtemps ici. Le FARDC n'est pas capable d'aller en guerre et la gagner pour l'instant. Même si nous mobilisons toute la population, toko kende kobunda, toko bunda te, toko batu bako trahir biso et kozala kaka, pe batu wana, ils seront convaincus. Encore ils vont nous attaquer nous-mêmes encore. Batouana bako attaquer les sous biso ya wana biso to lobby que non, il faut absolument que batou bazako s'enrôler, ba réfléchir malamu, batala ndenge nini bazako kende kuna. Ce n'est pas opportun pour l'instant. Bokolia nini, bokosala nini, est-ce qu'armée za organisée, est-ce que tout ça ce sont des questions qui restent pendantes et l'opposition et puis le
Je veux dire, les dirigeants rwandais, ils savent que non, les Congolais, les Kobanga, les Tokobangi, Sabango, parce que ce qui est la communauté internationale et que soutenir Bissot. Non, il faudrait que nous puissions prendre les choses en main. Si nous allons aller en guerre, il faudrait que tous allons en posture, en position, en Koloba. Non, tous si tous signés, yoma, à ta tous allons mindou qui t'a tous organisé, mais nous n'avons pas peur à ce que tous bêtes à Rwanda attendent, n'a pas avion à intimider, bango, et tous survolés, tous bombardés, même attendent à qui. Gali atao atape pembeni wana to sali babiloko wana to longola nani wana to longola ko banga na kati ya biso ba komba ba dirigeants na biso doivent absolument extirper la peur qui les frousse wana za kotala balobi et to sala nene parce que ba yebi bango moko ke l'armée n'est pas organisée, l'armée n'est pas capable, le FARDC n'est pas capable ya ko wilonga bitumbana ata to bengi 50 000 personnes o ba boko encadrer bango nene. Vous aurez toujours besoin y a les mêmes personnes qui sont en train de nous attaquer, les mêmes personnes qui sont infiltrées dans notre armée pour encadrer bajene wana bazokin. Et quand ils arriveront là-bas, bakokufanzala, bazana mando kite, il y aura toujours encore cette même chanson. Bandeko, il est grand temps à ce que tu réfléchir vraiment calmement. Soit tu kenda kalisou soutenir na babilo kwa na ba ya diplomatie, qu'on arrête carrément avec la diplomatie, qu'on se concentre sur à dire que non, envahissons les Rwandais, intimidons les Rwandais, que la paix commence à aller dans le cas rwandais. O komona soki ba Rwandais ba komi ko banga ba komi komona ke non Congo et komi ko s'organiser, Congo ça décidé vraiment ya kosili salikambo oyo et kosila. Mais tant que tozana non na kobanga wana na kati na biso ba dirigeant na biso ba ebite soki ba kende diplomatie soki kende ba kende na guerre et le peuple qui se mobilise maintenant pour que to combattre ba nous sommes en train de toza kotika bango kaka boye. Nous allons les décevoir et ce même peuple va se contrer contre ça, se liguer contre nos propres dirigeants et mboke kozalaka na mbilinga mbilinga. Je vais m'arrêter là aujourd'hui en disant, en donnant un conseil na gouvernement na biso. Prenons une décision claire. Toutes ces lignes rouges tolobi oyonde ya souka soki eza souka soki to solo là. Allons-y là-bas avec une position ferme ya koloba toko négocier ka lisusu te, mais nous nous organisons pour terminer cette guerre nous-mêmes congolais. Vous aviez vu bango moko baza koloba bino ba congolais boke nena nous ko solo la entre bino na bino. Entre temps ils sont en train de soutenir le mouvement M23. Boko mona ba kolali sabiso M23 ko yaka kozwa ka Goma ezo kozwa ba position petit à petit ba kobeta pe Goma ba pemisi bino nanu bo to sali ba diversion to sali to zo ye ba teso ki to sali nenini les mêmes personnes là qui sont en train de s'enrôler ba qui m'a kabitumba tant wa koyoka keno M23 comme ikobeta biso na kati ya M23 ezana ba congolais msusute et il y a possibilité même que ces mêmes jeunes gens là s'enrôlent dans cette armée qui sera organisée bazo entraîner bango bazo sala bango bien bazo latisa bango bazo lesa bango batu et tout ça. Ce sont les communautés internationales qui vont continuer à supporter ces jeunes gens-là. Et bango bakobongo la makanisi. Regardez comment ça s'est fait avec l'AFDL. Est-ce que l'histoire ne nous en renseigne pas vraiment? Vraiment, toute personne, o aza kolinga akende na force armée, akende ko s'enrôler, na boite, bokende na bino. Mais je vous préviens d'abord que ekosimbate na modèle wana. Tant que nous n'avons pas encore des dirigeants qui ont bayebi eloko nini yango bazo sala et puis position na bango eza claire. Mes chers amis, je vais vous demander une chose en terminant, c'est de vous abonner encore nombreux sur Contact Pro Life pour ba nani na bino eza ko sala bien, ba abonnement na bino na ba j'aime na bino oboza ko tia eza ko sala bien po tozala na position moko claire po idée na biso ekende na bato ebele ba yo kande nini tozo réfléchir na Contact Pro Life. Merci beaucoup, j'espère que vous allez vous abonner encore une fois pour toutes pour que bo encourager pe ngai na sala ka ba vidéo ebele o eza na sens o eza ko apporter bino ba solution. Au revoir, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien.